Ça y est, nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de France-Suisse. Nous sommes au Wanderlust parce que nous sommes des mecs branchés. Et voilà, et c'est l'endroit où il faut être ce soir pour avoir des supporters suisses. Bon les filles, ce soir vous allez perdre, ça fait quoi? Bah au moins peut-être que nos joueurs ils feront pas la grève au milieu de votre jeu. Peut-être. Soirée tranquille en perspective, nous sommes déjà qualifiés. Riyad et moi allons profiter du buffet et Didier Deschamps se permet même de titulariser Jallet et Sissoko. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en Coupe du Monde 2014. Nous avons enfilé les buts comme les perles. La manita. Les gars, votre top joueur, c'est Shaqiri, le mec qui joue à Stoke City. C'est sérieux? La France, beaucoup trop confiante. Vous avez vu le Puma là, c'est comme Mbolo. Il vous en met une en pleine lucarne, la 72e, il n'aura rien vu. Loris va te coucher. On va prendre une petite rousse ce soir? Une petite rousse? C'est quoi une rousse? Ça, alors, prêt pour la fessée? Vous allez vous faire traiter comme un beau fils. Bon, 20 minutes de jeu, 0-0, mais Pogba est chaud. Bah écoute, j'ai très très peur personnellement, j'ai peur que Pogba les batte à lui tout seul. Bon, 0-0, mais en général on marque à la fin, on profite du buffet. Enfin, pas encore, hein. Encore 15 minutes avant de profiter du buffet. Bon, qu'est-ce que c'est que ces maillots en barbe à papa, là? Vous comprenez, on est forcé d'économiser sur la qualité des maillots, la Suisse. La Suisse a besoin d'économiser? Voilà, ouais. Eh ben, dis donc. Bon, les gars, vous êtes prêts à perdre à la 90e minute? Ah, on est chaud, on va gagner. On y croit. La première passe, elle est pour nous. La Pologne, on les attend. Non, j'ai dit nous, on allait gagner, les mecs. Bon Vikash, il faut rentrer là. On a besoin de toi pour mettre des caviars. Mais vous savez que je suis sur le banc de touche, je suis le meilleur. C'est qui tu te forever. Bon Riyad, les supporters suisses, c'est quand même autre chose que les Albanais. Hein. Ils sont moins chauds. Bah, le Wanderlust, c'est aussi autre chose que celui-ci en vrille, frérot. Bon Riyad, 0-0, mais on est qualifié. Trois bons matchs de préparation. L'Euro commence normalement dimanche prochain. Ça va le faire. Score de parité 0-0, tout le monde est content, on est qualifié. 5-2 Coupe du Monde, je pense que 0-0 c'est déjà un bon exploit. C'est très bien ce soir ce qu'on a fait. Bon Riyad, on est qualifié, on n'a pas vu un grand match, mais la première place c'est ça qui compte. Pas de frisson, pas d'excitation, mais on attendra les matchs à élimination directe. Merci d'avoir suivi les mauvais joueurs. On se retrouve pour les 8e de finale. Avec peut-être des équipes à la hauteur.